J'y vois d'abord une histoire d'amour assez intéressante d'ailleurs, parce qu'on a, en fait, on a trois personnages. Mm-hmm. On a cet amant et cette bien-aimée, Shulamite, la Shulamite, enfin, mm-hmm. Qui s'aiment en dépit du troisième, qui est le roi. Et qui l'a enlevé, elle. Alors, il y a le berger, le roi Salomon, le berger, et la femme aimée. Voilà. Mm-hmm. Donc, il y a ça, oui, d'abord, en tout premier lieu. Je reste à penser qu'on peut y lire du sacré. C'est-à-dire que moi, j'aime la lecture que les mystiques ont pu donner de ce poème. Mais ça ne doit pas s'opposer. Ce que je refuse, et surtout aujourd'hui, parce que comme vous l'avez signalé, la religion ne va pas forcément de pair avec la sensualité. Et alors même, on peut aller plus loin. Je pense que le point commun de tous les fondamentalismes religieux, c'est la haine de la sensualité, du corps, peut-être d'ailleurs plus particulièrement du corps de la femme. Donc je veux pouvoir dire qu'il y a cette dimension sacrée, mais je ne veux pas l'opposer à la chair du texte, en fait.